Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF motovisuel. Ceci est un nouvel apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir. Je suis avec Marcel Pellerin, chef des essais, spécialiste des motos modernes, mais aussi grand spécialiste de motos anciennes. Et nous sommes accueillis chez Belle Bécane à Cholet, qui est un spécialiste du youngtimer de qualité et qu'on remercie pour son accueil. Si d'ailleurs il y a quelques bruits de mécanique, c'est parce que ça bosse à l'atelier d'arrière. Marcel. Youngtimer et moto ancienne. Et moto ancienne. Parce qu'il a des motos qui vont de 64, 65 jusqu'aux années 90. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il cible large. Il cible large. Okay. Marcel, j'hésite à qualifier cette moto. Est-ce que c'est un génocide ou est-ce que c'est une légende? Parce que moi, ce qui me frappe déjà, c'est qu'elle est. En fait, à l'époque, c'était un monstre. Et en fait, elle est toute petite, toute menue, toute compacte. Et puis, elle a précipité le déclin de l'industrie motocycliste, notamment anglaise. Exact. Les gens la vénèrent comme étant la première moto moderne de l'histoire. Le vrai du faux dans ça, c'est quoi? Alors déjà, alors la Honda CB 750 four, c'est celle dont on parle, qui est ici. C'est vrai qu'elle a amené, quelque chose à tel point que il y avait une légende qui, dans le milieu motard, qui était assez drôle, qui disait si pour les chrétiens l'an zéro c'est la naissance de Jésus, bah pour les motards, l'an zéro, c'est la naissance de la CB 750 four. C'est ce que j'entends. En 1969. Donc, bonne année, je te dirais. 69, pourquoi. Ouais. T'es né en 69, c'est ça? Il paraît, ouais. D'accord. Et puis, tu t'es dit que j'étais méga prématuré dans les Ardennes, enfin, ça a mal commencé. Ouais. Ouais. Alors pour moi, 69, c'est le 21 juillet, c'est, on a posé un pied sur la Lune, bien sûr, parce que je suis amateur aussi de tout ce qui est air et espace. Donc cette 750 four, effectivement, apparue en 1969, une révolution. Vraiment? Ouais, une révolution pour plusieurs raisons. D'abord, elle a amené quand même un style. Jusqu'alors, les Japonais, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était encore des trucs avec des flancs chromés, des phares avec des casquettes de phares, tu vois. Elle a amené quand même un vent de modernité esthétique pour commencer, déjà. Et aussi de la couleur. Beaucoup de motos étaient noires, en fait, avant. Ouais, bah, noir, flancs chromés. Bah, la moto, c'était un truc de mec sérieux, en fait. Et tout d'un coup, les Japonais sont arrivés avec leurs couleurs acidulées. Alors, ça a commencé un petit peu avant la four. Les deux temps Suzuki, je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient des couleurs incroyables. Parce qu'ils avaient compris que la moto, c'était aussi un loisir. Donc, les Américains, ils étaient friands de couleurs vives, instaurées beaucoup par les muscle cars à la même époque, c'est-à-dire à partir de 65. Donc, les Japonais se sont dit, mais merde, une moto, ça ne doit pas être gris ou noir. Amenons de la couleur. Et ça a vraiment, les premiers motards européens, qui étaient habitués aux Bonneville, au Norton qui était noir, au BM qui était noir. Enfin, exactement. Voilà. Donc ils ont vu ça et ils ont fait « Waouh, quelle gueule !» quoi. Donc elle a amené ça quand même. Alors je te coupe pour revenir un peu en arrière. La vraie révolution technique, est-ce que ça ne serait pas quelques années avant la CB 450 avec son moteur double arbre? Alors la vraie révolution, effectivement, la guerre, jusqu'à 65-66, les Anglais y régnaient. Okay. Il y avait quelques deux temps japonais, les Yamaha, etc. Mais le routard, le motard, le mec qui faisait de la course de côte, de la route, il roulait en quatre temps bicylindres. C'est ce qui avait de plus performant à l'époque. C'est ce qui avait de plus performant. Les Japonais, ils se sont dit, nous, on peut faire mieux. Donc, ils ont Honda plus particulièrement, qui était. Honda, c'était le quatre temps. Il faut savoir que les autres Japonais étaient plutôt orientés sur deux temps. Et Honda, dès les années 60, d'ailleurs en Grand Prix, avec la fameuse Honda 6 cylindres, la 5 cylindres 125, enfin, toutes ces motos, la gamme, les RC, c'était du quatre temps. Donc, Honda, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un quatre temps. Et ils ont fait la CB 450, qui était comme, enfin, techniquement incroyable. On en reparlera dans une autre émission, parce que elle vaut à elle seule une émission. Et ils ont amené une technologie de pointe avec la 450. Et bizarrement, je peux même te dire que la CB 750 four, elle est techniquement moins évoluée que la 450. Je reviendrai après quand on parlera technique sur cette moto. D'accord. Voilà. Donc là, les Anglais voient débarquer la 450. Ils disent, mince, avec une cylindrée plus petite, ils nous bottent le cul en termes de performance et en fiabilité, c'est quand même autre chose. Il faut qu'on réagisse, sinon on va se faire bouffer. Donc ils te préparent un 3 cylindres. Exactement. Ils pensent faire l'événement. Pas de bol, Honda sur le 4 cylindres en même temps. Voilà, rideau. C'est ça. 69, donc la 450, pour revenir Wittfeld, elle faisait 47 chevaux, donc la même puissance qu'une Bonneville, sauf que c'était une 450 et la Bonneville une 650. Donc, comme tu dis, ils se sont dit, bon, il va falloir qu'on se sorte les doigts du cul. Ouais. Ils prennent une Take base éprouvée. Take the finger out of your asses. Voilà, donc Triumph, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'emmerdent pas. Ils prennent un 650, enfin un 500 Twin, issu du Speed Twin. Ils rajoutent un cylindre. Ils disent en 69, on va présenter la T150, on va les défoncer. Mais les Japonais, la même année, ils sortent la CB 750 four et sa technologie. Il y a une légende, vraie ou fausse, qui dit que c'est une technologie de moteur de bagnole. C'est vrai, ça? Alors,
Pour être franc, la première chose, bizarrement, c'est pas le moteur. La première chose qui a interpellé le monde motard, c'est le freinage. Frein à disque. Parce que il y avait déjà des freins à disque. MV Agusta, sur les motos de série, avait déjà des freins à disque, mais mécaniques. Alors que là, c'est la première moto de série au monde à avoir un freinage hydraulique. Imagine, pour les motards, on leur expliquait qu'en fait, il n'y avait plus de liaison mécanique entre leur levier et l'étrier. C'était un levier qui poussait un piston, qui poussait un fluide, qui le fluide poussait le piston et freinait. Donc les mecs, au début, ils ont fait « Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ?» On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la règle dans tous les engins qui roulent. On a même du frein by wire maintenant, tu vois. Voilà. Donc si tu veux, la première révolution, ça a été le freinage à disque hydraulique. Donc ça, les mecs ont fait « Ah oui, d'accord ». Et ensuite, le moteur. Alors c'est là où on revient à cette fameuse technologie automobile. C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des... Enfin, toutes les Anglaises et pas mal de et tous les deux temps avaient des moteurs avec les vilebrequins et les bielles montées sur roulement. Cage à aiguille, roulement tonneau, etc. Ça, Honda a amené ce qu'on appelle un montage du vilebrequin et des bielles sur palier lisse. C'est-à-dire avec des coussinets trimétal. Et il fallait donc une super bonne lubrification pour pas que ça serre. Donc voilà pourquoi on a un peu usurpé le truc en disant « Ah, ça vient de la voiture ». En fait, c'est qu'elle a inauguré un équipage mobile, à ce qu'on appelle à palier lisse. Tu pouvais faire Paris-Marseille à bloc, à l'époque ça se faisait, sans prendre le moteur dans la gueule, ce qui n'était pas le cas sur une anglaise. Alors, évidemment, les Japonais, déjà, ils avaient un avantage énorme, c'est qu'ils maîtrisaient extrêmement bien les fonderies. D'ailleurs, à ce titre, il faut savoir que les toutes premières CB750 fours, qui aujourd'hui sont des véritables phénomènes, tout le monde les veut, c'est ce qu'on appelait des carters moteurs moulés au sable. Alors, je pourrais vous expliquer, c'est un peu long le principe, sandcast block, ils appelaient ça. Ils maîtrisaient extrêmement bien les fonderies et ils maîtrisaient extrêmement bien les ajustages et l'usinage. Ce qui fait que c'était des moteurs qui ne fuyaient pas, avec des plans de joint parfaits, des cotes au centième, ce qui fait que c'était des moteurs qui ne cassaient pas, qui fuyaient pas. Et effectivement, c'était les premières machines où on pouvait faire un Paris-Marseille à toc sans prendre une bielle dans le nez ou alors avoir 3 litres d'huile par terre. Donc voilà, c'est un moteur révolutionnaire dans ce sens-là. D'accord. Autre chose, on spignole un peu sur la CB750. Comme tu dis, c'est l'an zéro de la moto moderne. C'est vrai. Les cotes ont grimpé. Une K0, donc K0, c'est le premier millésime 69. Si en plus elle a les carters sablés, ça vaut méga cher. Faut acheter quoi ? Une K0, une K6, la dernière évolution, une K du milieu ? C'est quoi le meilleur plan ? Ni la première, ni la dernière. Dans le sens où la K0, elle a ce côté historique. Donc elle vaut cher. Par contre, elle avait un système, il n'y avait pas de palommier, donc tu avais 4 câbles qui partaient des 4 carbus. Ouais, musclore un peu la poignée, quoi. Voilà, ouais. Elles étaient comme ça. Elles étaient pas au niveau finition, il y avait des petits détails. Par contre, la légende dit que c'était les moteurs les plus puissants, de quelques chevaux, on va pas chipoter. Moi, je pense que l'idéal, c'est une K1 ou une K2. C'est-à-dire, on garde le look original, à part des petits logos de caches latéraux qui changeaient. Mais tu as le vrai look de la four, mais avec quand même, tu vois, un palommier. Ils avaient révisé, tu sais, les Japonais bossaient beaucoup. Ouais. Ils avaient révisé pas mal de trucs. Donc, pour moi, l'idéal, c'est probablement une K2, à mon avis. Tu as toujours les compteurs à fond vert, tout mignon. Toujours les compteurs à fond vert, sauf qu'au mieux d'avoir, tu vois, les K0, si je me rappelle bien, tu avais pression d'huile, voyant, tu sais, les petits voyants dans les compteurs. À partir de la K2, tu as une jolie petite platine. Où tu as les voyants. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais surtout, elles étaient mieux finies. Enfin, pour moi, l'idéal, c'est une K2. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, toi, tu as beaucoup roulé en CB. Tu en as vu, tu as même fait de la compète en CB. Ouais, ouais. Moi, je vais t'avouer un truc. J'ai roulé une fois sur une CB K0. Bah, j'ai été déçu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mou. C'est un peu lourdingue, c'est un peu pâteau. J'ai eu l'impression d'être sur un 600 bandits des années 95. Ouais. Et j'ai pas vu. Alors, cérébralement, t'es content, t'es sur la moto de l'année zéro, donc c'est cool. En plus, sincèrement, je la trouve super belle, il n'y a pas de souci. Mais je mettrais pas ma thune là-dedans. Alors, quoi. Déjà, la première chose, ça reste un 4 cylindres en ligne, calé à 180. Donc, t'as une linéarité intrinsèque. Voilà, il y a ça. Il y a le fait qu'il y a une transmission primaire par chaîne avec beaucoup d'inertie. Tu as une boîte de vitesse qui n'est pas terrible, on ne va pas se mentir. Et puis, elle fait, je crois que c'est 67 chevaux pour une moto qui faisait, avec le plein, pas loin des 230 kilos. Donc, donc, effectivement, il faut se recadrer. À l'époque, 67 chevaux, c'était énorme. Fiabilité. Après, la tenue de route... D'ailleurs, les Japonaises, pendant des années, c'est des cadres fabriqués avec de l'ADN de serpent de mer. Ça tenait pas la route. Oui, ça bougeotait comme ça. Voilà. Et puis ce frein, aussi révolutionnaire qu'il était, il freinait pas terrible. Donc si tu veux,
C'est le problème des mythes. C'est-à-dire que c'est des motos, on en parle aujourd'hui comme un... Et puis, c'est vrai que quand on la roule aujourd'hui avec nos standards, c'est une moto lourdingue et tout. Ce qu'il faut retenir, c'est sa gueule, le fait qu'elle ait révolutionné le monde de la grosse cylindrée, et que t'as un mythe, quoi. C'est la fourre. Elle a été déclinée. Il faut savoir que cette moto-là, les mecs couraient en dragster, ils mettaient jusqu'à 3 moteurs. Mmh. Elle a été comprimée, turbo-compressée. Il y a eu des choppers à 4 rigides. Il y a eu des choppers. Ouais. Les premiers choppers, c'était des 4 cylindres de fourre. C'est un moteur qui a servi à plein de choses, qui était incroyablement costaud, à part la distribution, parce que tu avais un tendeur et un... comment ça s'appelle, une roulette qui n'était pas terrible, qui s'usait avec le temps, qui était en caoutchouc. Et puis, il fallait assez souvent régler le jeu au culbuteur, parce que c'est un simple arbre à cam en tête, mm-hmm. avec des culbuteurs, et tu sais, on voit les petites pastilles. Derrière. Il fallait assez souvent régler le jeu aux soupapes, parce mm-hmm. que bah, ça prenait des tours quand même, mm-hmm. ça prenait presque 9000 tours. Mm-hmm. Donc voilà, il faut retenir ce qu'elle a amené à l'époque. C'est sûr que si tu roules aujourd'hui avec une 750 fours... t'écoutes ce qu'on disait à l'époque, tu le fais plus aujourd'hui. Quoi. Mmh. Voilà. Il y a un peu de mythe aussi. T'as beaucoup roulé avec, t'as kiffé à l'époque alors, quand même. Ouais. Moi j'ai eu une K2 mmh. Que j'avais restaurée avec un ami. Moi j'aimais la gueule. À rouler, c'était pas extraordinaire. Par contre, j'ai un très bon souvenir parce que j'ai couru en Afama que j'avais une Aigli Honda, mmh. c'est-à-dire que j'avais un cadre Aigli poutre avec ce moteur-là que j'avais préparé. J'avais allégé le vilebrequin, mis des pistons, des arbres à cam et tout. Donc c'était une moto qui était très performante. Par contre, je reviens sur la distribution, elle cassait tout le temps, donc il y avait une maintenance d'hélicoptère. Donc c'est un moteur, si tu veux, qui est super costaud, qui est tout ce qu'on veut, mais qui a aussi ses limites. Mmh. Hein, voilà. Mais on retient que ce moteur-là, c'est, voilà, il a couru, je me demande même s'il n'est pas parti dans l'espace, quoi, tu vois. C'est peut-être la chose qui lui manquerait. Ouais, probablement. Voilà. En pleine mode néo-rétro, est-ce qu'on ne devrait pas nous sortir une jolie CB750 2022-23? Eh bien, alors, écoute, il y a 20 ans, la 750. Ouais, elle était moche quand même. Elle était moche, ouais. Et puis en plus, c'était le moteur, hein, tu sais, issu des CBX750. Oui. Ouais. Après, ils nous ont ressorti la CB1100. La CB1100, il y a quoi, il y a 15 ans? Super mignonne. Il y a moins, il y a 10-12 ans. Ouais, 10-12 ans, voilà. Maintenant, ils l'ont arrêté d'ailleurs. Mmh. Ensuite, effectivement, est-ce qu'ils ne nous ressortiraient pas une vraie réplique de four? Moi je serais pour. Regarde Kawa avec sa Z900RS. Ouais, ouais. Finalement, chouette il faut moto. Un carton. Très chouette moto. C'est une chouette moto. Après, je sais pas, le marketing, moi j'y connais rien. Quoi. Je me dis. Tu mets un pantalon serré, des chaussures pointues, ouais, des concepts, un bout de board et c'est parti. Mais au prix où elle coûterait, c'est-à-dire s'il sortirait ça sortirait 12-13 000 euros, ouais. Bah, moi je viendrais chez un spécialiste comme Ben Bécane et je me paierais la vraie. Bah ouais, je me paierais une vraie. Bon. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez la vraie, si vous attendez une nouvelle CB750. Merci à toi Marcel, c'est toujours un puits de science de t'écouter parler des motos. Quelque chose me dit qu'on va revenir régulièrement chez Belbegan, il y a un stock incroyable. Ouais. Philippe, le taulier, est hyper sympa et ça nous permet de bosser et de vous présenter des motos dans des états, mais comme neuf. Merci de nous suivre, prudence, bisous sur le casque et puis à bientôt. À bientôt et vive la CB750 four. Ouais, qui est super décevante à rouler. Hein.